Eh oui, bonjour et bonne année merveux à toutes ces personnes qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette émission 1001 visages. 1001 visages, pour cette semaine, nous allons recevoir un artiste. Pour l'année, nous avons travaillé à ça, la papa, il y a papa et balai mondial. C'est vrai que je l'ai reçu à plusieurs reprises, mais créativité, l'amour du travail, quand je le reçois, quand je m'entretiens avec lui, je suis vraiment émerveillé. Là, je suis en train de parler des artistes d'Akos Samkina, que je vais faire appel. D'Akos, ça, s'il peut venir. Bonjour. Bonjour, mon frère. Mannequin, toujours mannequin. Ne perds pas sa taille. Merci, vos félicitations. Prenez place. Merci. Ok. Eh oui. Merci beaucoup. Donc, comprenez. Donc, là, c'est 1001 visages. 1001 visages. J'ai oublié quelque chose. Quand on rentre. Ok. Ah, ok. Donc, comprenez, c'est votre mission 1001 visages. 1001 visages, c'est vrai que la semaine dernière, nous avons reçu l'artiste Élise Salumu. On l'a reçu à Platon Abisso. Mais cette semaine, nous en sommes avec D'Akosta. D'Akosta est parmi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en annonce Nangaï. Moi, quand je le reçois, je vois directement Papa Eba, les mondiales. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben, je ne sais pas aussi. On t'a déjà dit ça? Non, en tout cas, pas du tout. Pas du tout. Raoul, tu as le travail, tu as le métier en toi. Bref, donc c'est un peu ça. Mais je dirais un Merci. Truc. Sur scène, je me sens vivant. Même après ma mort, l'art compte beaucoup pour moi. Citation de D'Akosta. Tu voulais dire quoi par là? Ben, comme qui dirait, l'artiste ne meurt jamais. Ok. Je pense que sur scène, je me sens vivant, oui, parce que je sais que nous sommes tous des communs de mortels. Okay. Un jour, je ne ferai plus partie de ces mondes, mais je serai là. Et bien, voilà pour moi, le moment où je me sens plus vivant, plus existant, okay. C'est quand je suis sur scène. Okay. Voilà. Donc, pour le roi, papa, il m'a fait un peu beaucoup, là. Mais il a été que d'accord, ça peut être partie de la scène, t'es. Bon. Coucou Fanassène, je crois que nous tenions sur Coucou Fanassène. Oh, ouh, mais tu as maintenant la Fanassène terre. Non, mais mets ton hôpital les Assènes. Bon, ça c'est un artiste. Merci beaucoup, D'Akosta. Ouais. D'Akosta, et c'est vrai que et, début année, tu as la Guinayo, ça a eu mission Mourou du Banda, tout ça. Oui, oui. Et la fin de l'année, toujours clôturé Nayopé année, bilan, l'année 2018. Pour le groupe Amani. Eh bien, déjà, je dois commencer par, je ne sais pas si c'est avec cette caméra ou celle-là, ben, je crois que je dois commencer par remercier tous les fans, parce qu'ils nous ont soutenus du début, mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui là. Présentement, nous sommes au mois de décembre. Ils sont toujours là. Okay. Je vous dis merci beaucoup, merci partout où vous êtes dans le monde, d'avoir apprivoisé l'art que nous... nous conjuguons pour vous. Le groupe Amani est là, bien portant, toujours avec le coach, toute l'équipe ensemble avec moi, Roméo Bachoy, Natacha Bola, voilà, il y a Lisa Kingoumé, il y a tout le monde, ils sont nombreux. Les adeptes du groupe Amani, les artistes, nous sommes là. Donc le bilan est positif dans la mesure où nous avons nous avions eu à exécuter, à réaliser, à jouer plusieurs pièces et films, entre guillemets, diffusés sur nombreux sur les plateformes, sur Internet, etc. Même cette année, nous étions ici. Eh bien, je crois que dans la mesure du possible, où l'occasion nous est donnée de nous retrouver ici aujourd'hui sur Numérica Télévision, nous allons essayer aussitôt arriver, mettre le pied dans le treillis, voir comment est-ce que nous allons rentrer avec la discussion pour voir comment est-ce que, dans quelle mesure du possible, reprendre avec nos diffusions ici. Donc, moi, je dis sincèrement le bilan du groupe Amani, positif. Le groupe Amani, on compte de moi encore jusque-là? Non. Le groupe Amani, c'est déjà un grand garçon. Aujourd'hui, nous avons, je crois que c'est la quatrième année. Wow. C'est la quatrième année depuis. Je pense qu'au mois de mars 2019,
nous allons fêter, je crois, 2019, donc je dirais 2016, mois de mars 2016, mois de mars 2019, nous allons effectivement fêter nos 3 ans d'existence, depuis que je suis parti de la maison du cocon familial, jusqu'au mois de mars, le 16 précisément, nous allons fêter nos 3 ans d'existence, que Dieu soit loué. 3 ans d'expérience, c'est à cause de sa différence. Et c'est Cédric, non? Bon, comme vous voulez, Dacosta, c'est l'artiste. C'est, voilà. Qu'est-ce qu'arriverez-vous à faire la différence entre la personne de Dacosta, la personnage, la personne de Cédric et puis le personnage de Dacosta? Bon, Mandela et tout ça, et puis votre vie habituelle, quoi, parce que c'est très difficile. Hein? Bon, bon, je dirais c'est à la fois difficile et en même temps facile, parce que il faut simplement faire l'étude hein, du personnage. C'est vrai qu'il y a une distinctualité qu'on observe entre le personnage et la personne. Mais bon, du coup, la personne, c'est le monsieur qui est devant vous. C'est le nez de la famille, c'est l'ami proche, intime à Roméo Batchoï. C'est le fils à sa mère, le fils à son père. Voilà, c'est l'ami de Natacha Bola, etc. Mais l'artiste n'a pas de personnalité, quoi. Aujourd'hui, je suis pasteur, demain, je serai un voleur. L'autre fois, je serai parent. L'autre fois, je serai, c'est pas moi qui. Je vais me retrouver à la poubelle demain. Et puis, le lendemain, je serai au bureau. Donc, Dacosta n'a pas de personnalité. Mais Cédric, il a une personnalité à garder, à protéger jalousement. Cédric, c'est les love à Lauriane Kanga, que je salue, chérie, je t'aime beaucoup. Voilà, donc il y a une distanciosité de manière très naturelle, on doit observer et prendre soin de ça. Oui, Dacosta a une influence sur Cédric, c'est vrai, mais bon, Cédric doit protéger aussi Dacosta. Voilà. Ok, merci beaucoup, donc on a tenu que ça, la moindre différence. Mais nous allons, avant d'aller plus loin, nous allons rentrer de côté de la régie. Fiston Panzou, si on peut prendre un élément, ou il va permettre à Bissot. Et c'est quoi encore le titre? C'est pas bien. Avez-vous choisi là-bas? Mais bon, je crois que si c'est pas moi, okay. On a tellement. Fiston Panzou fera son choix. Il nous balance un élément, juste l'extrait, et puis on revient juste après. D'accord. Parle de nous, on va saquer régal. Wouh! Nos détourteurs! Oui, papa. Quelle bonne nouvelle! Mais bon, bien, papa, maman, après ces moments, ces bons moments de fête, de mariage, eh bien, nous sommes décidés, moi et ma tendre épouse, de passer vous voir, vous remercier, parce que Tommy Lobeli, sans concours, on a vu notre Tongueto Kongate, bah, invité, bah, c'est Peli. Merci pour la valeur au Pessibiso en te présentant officiellement, en officialisant mariage na yo na moi na yo. Mais j'aimerais te dire quelque chose en aparté entre nous les hommes. Papa, na salibu, na ibri susa nimewete. Nimewe sali susa na mapoku taite, ni na mami wanda. Musuko ni mwote suwa wutite pa yo, pese nimewo. Atu na kakaka anzela, papa ya kingano, ibri numero 60, ibri izalakate. Pula nindo, bagupe, babi nga mbani, banen. Bourgoumestre. Bourgoumestre, na ba chef de quartier. Ba kukucha ba nimewote.
Et ça reste sur pour la nini. Je disais, je voudrais te parler au kilo là. Oui, mais il faut mettre ses bâtonnets. Ah voilà, merci beaucoup. Fiston Panzou, en fait, d'accord, avant que l'idée en est qui m'angaï, c'est quoi d'abord le titre Mobali Nangaï? En fait, la comprendre, elle est au na Katiwana. Ils ont un message ou ils ont la pièce. Oui. Mais là, maman Chako a lancé le sous message sous sous nakati. Oui. C'est de faits où ils ont réel. Oui. Ils ont réel. Obligé. Tant d'attendre on a eu qui m'a le bon. Oui. Et ça nous est cher de poule. C'est des choses où nous vivons vraiment. Comme ils viennent à Barabala, Bando Kota qui. Tu vois même pas. Il y a des même. Il y a pas de numéro. Oui. Et ils ont qui? Ils ont improvisation ou bien c'était bien préparé na script? Eh bien, c'est vrai qu'il y a, il y a la partie qui est amenée par l'artiste. Okay. La sincérité intellectuelle m'oblige à dire que Maman Chako a bien voulu lancer ces messages-là elle-même. Parce que aujourd'hui, tu te retrouves quelque part, voilà, tu traînes en bourrique, tu ne sais pas te retrouver. C'est vrai qu'on t'avait donné ma repère, mais ils ont été... au Bethel Bako autour d'un des romans boy à bois qui je sais pas moi où ce sont de petites choses. Enfin, le théâtre c'est une sensibilisation aussi, c'est une éducation que nous amenons nous artistes vers le public. Et voilà raison pour laquelle je suis encore une fois de plus fan. Il y a Maman Chako quand elle est sur scène et c'est une grande observatrice de la société et elle amène la matière quand bien même qu'il y a une base, mais elle s'est ajoutée sa touche particulière personnelle na eloko wa yokuta. J'ai dit ça, merci à Maman Chako en passant, à Papa Kofi également. Merci beaucoup à Maman Chako, parce que c'est vrai que et à Babylone Mosusu et je sais pas s'il faut qu'ils aient la période de la campagne boye, mais soit hein, entre guillemets député le baguenga la recette la bino bani il y a ban numéro alors il y a mda kuto n'engani ni mais déjà la quatrième pièce ça doit interpeller ba bourgmestre le chef du quartier parce que c'est très important babilo reconnu les hommes sous moi je vois à Lemba et comme écoute tout le monde est gâté comme il disparaît voilà donc il pleut etc et vu que c'est une peinture. Voilà, avec l'illusion du temps, on risque de ne plus se retrouver. Merci beaucoup, Dakosta. Au fait, Nadina qui vraiment tous en aïe na plateau, Nadina qui par rapport à un sujet. D'accord. Le sujet c'est que, et on m'a éclairé Bissot, parce que je sais que Dakosta a vraiment ma casse côté Rana, et mise en scène, il y a pièce Ndenge les Garabons, et ça rend Ndenge Nini. Parce que tout à l'heure, j'ai même dit, est-ce que Maloba Maman Chako a un script, tout ça, parce que d'autres personnes, on va Koubé. Bon, j'ai assisté aussi avec mon émission, dans différentes émissions, et dans lesquelles j'ai retourné, dans le site Moussou Baïko, ça, la pépite, c'est à moi, on a retourné pas dans le je vois, tu as tourné le site sur la Kuna. Koumbami, l'acteur, il y a apparemment. Bah, c'est lancé Mbalamoko. Je sais pas si qu'on s'est lancé Mbalamoko le bon là. Ceux qui étaient qui déjà répertoriés, il y avait qui écrit, c'était comment. Donc si tu peux nous éclairer un peu par rapport il y a et comment ça a arrivé à la finition on a autour de la nappe de 20 tala pièce on a boy et d'arana une dernière photo comme on est à quoi. Eh bien merci beaucoup, cette question elle est pertinente et très importante aussi. Vous savez, il faut sous d'autres cieux, ça s'organise. Okay. Il y a des concepteurs d'idées ou des idées. Il y a ceux qui sont forts en mise en scène, ceux qui sont forts en scénario. Il y a tout à l'heure, bien avant de monter sur le plateau, il y a une demoiselle qui m'a maquillé tout ça. Eh bien, sont là les étapes à respecter pour avoir un bon produit à la fin. Okay. Mais par précarité ou par, je sais pas moi, d'autres, je dirais par excès de talent ou des potentialités, on peut retrouver 5 dans 1. Il conçoit l'histoire, il est
le scénariste, il est le metteur en scène, en même temps l'acteur. Il y a ceux qui vont plus loin, preneur de vue. Eh bien, je ne dirais pas tout exténué, mais bon, je dirais peut-être qu'il y a tout ça. Ça peut s'expliquer. Dieu sait comment il fait les choses. Mais sinon, la mise en scène chez nous, ici, souvent nous sommes butés à plusieurs aléas. J'avais bien conçu que bon, dès dans comme un tableau, il y a beau, scène, oh, il faut ça, il se passe mon rosa, il a vert. Mais naïe, nazu en moté. Je dois forcément créer pour que et l'eau quand oui ça les macaca parce que c'est comme il lobby comme il béba on a pas assez de moyens. Nous sommes là nous-mêmes dans la production et tout ça, donc voilà, du coup ça demande à ce que le génie artistique soit là toujours permanent pour un soir rayo ou ça la mise en scène. Quand vous concevez votre histoire et aux communs, il y a deux messages de base. Oh, il y a un message, oh, yo, il y a un tableau, il y a d'accord, c'est un ablès qui n'a pas le balikam, oh, yo, pour la histoire continue. Okay. Mais nous nous retrouvons en même temps dans le système d'improvisation, okay, où l'artiste, après avoir écouté le briefing, comme on dit, doit s'apprivoiser de cette histoire, doit en faire son histoire. Okay. Après, à Pessango, jume roboué. Voilà pourquoi, nous sommes plus fans d'artistes au bazar à court d'idées. Okay. Bazar a toujours la force et improvisation. Je donnerai un exemple en passant. Chris Oura Basila Bissalo. Voilà. Ça vient, ça coule. C'est là quand le temps sonne son nom. Voilà. Donc, avec Bissalo, voilà, vous êtes. Elle vous transporte quelque part. Vous voyez, parce qu'à tout moment. Tout bas, on va forcer à l'improvisation. Le roi Charlie vit de loin. Je salue en passant. J'ai dit bonne prompte guérison à toi, mon rétablissement, mon vieux, et à Charlie. Tous les élus ont gassé sur scène. Donc voilà, Bazan va forcer à l'improvisation. Tout à l'heure, on venait de parler tantôt de Maman Chabot. Oui, cool. Donc moi, je dis quelque chose. Voilà, le message ici, c'est ça. Mm-hmm. Des enfants qui passent pour vous remercier et tout ça en rapport avec tout ce que vous avez fait. Et là, elle ramasse quelque chose au Observaka, à Pessiango et Kotisisumo Elengi Nalisolo. Donc, la mise en scène, c'est vrai, elle se prépare, mais le metteur en scène doit se préparer aussi à rencontrer des choses et pousser à créer sur le champ pour que Masolango Salema. D'accord, ça, il y a ma pièce, moi, qui n'est pas la mission numérique. Au début, quand j'ai vu groupe Amani, même avec d'autres collègues ici, dit mais oh mais le groupe Amani d'accord ça oh, mais il y a mon groupe dans l'abîme Azara n'était dans l'épisode c'était dû à quoi l'épisode nous sous apparemment dans le début je crois aux Azara qui n'a été mais c'est très rare mon dans rôle Amani leader pénalement d'une la pénal dans l'amour dans l'été d'ailleurs il faut pas se mettre à tabler mais est-ce que vous voulez le monde bon je sais pas ça dépend d'une pièce à une autre. Le départ, c'était ça, cette pièce. Okay. Le préambule, c'était ça. Je ne me vois pas bousiller toute une pièce parce que ma présence doit forcément être là. Oh, toi, ben, on est humilité, toi, fausse humilité. Non, ben, c'est son là. Mais dans le Congo, si on toujours alors la Kinshasa, d'accord. La Kinshasa, apparemment, on dirait il faut les à la bongo, il faut les à la mener, il y a mon unité. Bon, le quoi, il faut les à la bongo, ils la règlent. Bouchana d'exception, casse. Moi, je pense que l'isolant en haut, ils allaient qui bon au préambule en haut, ils allaient bon haut. Pour que ça se conforme, mais n'aibi melinanga, l'autre, un aubima, un aouya. Il fallait ma cambone ça, ma bongo. Je crois le titre c'était Belé à ma cambo. Il fallait ça bon. Tout le monde savait à pasteur Moko, na moi sinaye, na bananaye. Comment ça se fait? Comment ça passe? Ce qui importe, c'est le jus, c'est la quintessence de l'histoire. Okay. Ce n'est pas l'individu. Okay. Sinon, je passerai simplement un scène dans un espace où il y a 30 minutes, où on va me voir du début à la fin, à faire mes trucs. Mm. Moni,
Libokero Penza est à l'isolo, ils ont intéressé le public, ils ont l'isolo. Ce n'est pas la personne de Da Costa, mais c'est l'histoire qu'on doit suivre. Merci beaucoup, merci Da Costa. Et un grand merci comme ça à toutes ces personnes qui auront l'occasion, et Roland Abisso à travers par le net, et Arlette Matoto, Fifi Béa Moussaou, et Nelly Monduka, Karel Bilombo Fashion, merci beaucoup, Nokonson Aikembe, et Papi Kongolo, et pourquoi pas Alexis Yamantia. Nous allons rentrer de côté de la régie, tous à Ranar Reboot, Nabisso Moko, conseil, c'est via Facebook, WhatsApp. Sélectionner deux personnes. Ah bon, on peut, ils peuvent dire un truc à inviter Nabisso. Nous allons rentrer du côté de la régie avec Tristan Panzou. On se retrouve tout juste après. Ok. Je suis Marie-Laure. Je profite de ton passage, toi, Da Costa. Un tout petit conseil. Aujourd'hui, quand on assiste aux jeunes comme ça qui se décident de former leur chemin, alors c'est simple, le conseil il est unique, hein? Il est unique, c'est tout simplement d'aller de l'avant. Crois en ce que tu fais pour baisser ma main côté malgré ma voix et gauche, droite, depuis si quand on sort, oh, il y a aucun ya. Donc, il y a Zala Zalaka, il y a un peu plus de Sepiraka, il y a un peu plus de Zalaka, il y a un peu plus. Alors, ciao! Le président Da Costa Moukina, n'allez-le fort, ce conseil n'a plus simple que Zaka, qui est au président, nous avons mail, comment un scénario Makas. Merci beaucoup, Da Costa. TK et puis Marie-Laure. Oui. Apparemment, bon, on se base dans le rôle de Banim. Bazo, par rapport à l'humilité, de toi-même, en fait, c'est vrai que c'était vraiment difficile. Mon ami, le Belaïm, au cours. Justement. Est-ce que tu sais que tu es humble aussi, ou bien les arbres au salaire, même maintenant, on le voit tout à l'heure, fausse humilité? Bon, je ne sais pas quoi dire. Mais moi, bon, je pense que l'éducation reçue auprès de mes parents. Okay. L'éducation reçue, l'instruction à l'école. Okay. L'éducation reçue aussi auprès de mon maître que je salue et je souhaite bonne chance pour la législative. Oyo. Okay. Maître Faustin Soukari Lombe Lubakwa. Nous sommes tous Teingaï et Loko Moko, dans diverses manières. Okay. Dans la classe, Teingaï, il faut être à 7 heures à l'école. Quand tu n'es pas là, on te met à genoux et tout ça. En fait, une autre manière, on a ça, obéissance, humilité. Okay. Tu es le chef de classe, mm-hmm. Peut-être qu'il est moins âgé que vous, okay. Mais il faut pour devoir, estimer, vous voyez, tout ça, ils ont éducation, toujours, ils ont instruction, ils ont l'acception que bon moto. Et c'est un peu de ma PKT, parce que un jour, comme témoignage, je dois vraiment témoigner ça. J'écrivais, comme qui devant. Momoko, Jackie. Et je ne savais comment écrire ça. Dans ce Jackie, oh, mais vous savez, parfois il y a des mots qui vous échappent. J-A-Q-U-I-S. Et ça rend un Jackie. Et ça va na Oyo, battant mon papa aveugle. Vous voyez? Aleki, aïe, il a mis ça dans la main, écoutez, moi, j'ai. Et j'étais en train de chercher, mais Jackie, ou Bakoumaron Dengenin. Jackie, je dis bien Jackie. Alors, un enfant on a commis d'effacer, il y a à comprendre en haut. Est-ce un vieux? Bakoumara Jackie J A C K Y à la fin. Est-ce que tout sur en haut? Bande bâtard mon aveugle, na ba papa aveugle. Na moto na yo kondi ma kiaosa na connaissance ya bon. Et c'est une histoire vraie.
voyez. Donc, moi, je ne définis pas la vie seule. Je définis toujours la vie avec l'autre. Le président Lomé nous disait toujours qu'il y a, quelque chose d'important dans l'autre. Il y en a. Quand tu, regardes bien, tu vas trouver ça. Donc, du coup, moi, ça, me donne le plaisir d'être ouvert, de convivialiser, si je peux le dire, avec tout le monde, parce que je n'ai pas bénéficié de manière inattendue dans la vie. Donc, ce qui est humble, j'aimerais que Dieu me fasse grâce, parce qu'elle est toujours humble, pour que ma porte, on ne sait pas, et faut un mélange encore le bien. Merci beaucoup, Dacosta. C'est vrai que notre mission n'a que 30 minutes, que tu as déjà consulté. Et 2019, ça pointe déjà à l'horizon. Oui. Avec l'aide de la Tout-Puissant, bien sûr, on est sûr et confiant que nous allons franchir. Oui. Et qu'est-ce que Groupamani pense réaliser? Peut-être eux à réaliser en 2018, en 2017. Et puis, là, c'est en particulier, en général, concernant les cinémas congolais. Mm. Vous pensez quoi? Bon, je parlerai d'abord du cinéma, après nous sommes en orbite à Groupamani pour que le message soit bien capté. Pour notre cinéma, je dirais que l'élection au réseau Salema, nous avons Sunga, ou à gagner que le meilleur gagne. Après, ce va d'ici, institution surtout et tout. Ministre de culture au Barouchaye. Alors, à me convaloriser, Moussala O. À me convaloriser, parce que la culture est même un mot comme Sika, en un mot. En un mot, franchement. Il y a du potentiel, il y a tout, il y a tout. Alors, je vais te film turc. Donc, j'aimerais même pas, mais qu'on a un détail. Oh, Fatma donc, déjà, public, on a une réponse. À quoi la piste, la solution, à la clé, à déverrouiller, etc. Alors, nous souhaitons tout simplement, ceux qui ont élection, les qui, na kimia et que le gouvernement y est, bâtir la personne qu'il faut pour valoriser, appeler ça jus, pinch, nam salao. Merci. Je crois que je ne pas blessé. À ce qui concerne le groupe Amani, nous avons déjà, c'est pas moi, beaucoup de pièces. Okay. Hein, je souhaitais ça. Pourquoi? Parce que dans les gars qui étaient système aux autres tournées, basé au Tika, après au Katani. Non, là nous avons Mobay Nangai, le syndicat, Soukana Perte. Nous avons beaucoup de pièces. Il y a toute une marmaille de pièces où ils ont produit fini. Alors le coup là, ils ont encaissé déjà Bongo. Eh bien, 2019, objectif Nabisso, c'est maintenant la diffusion. Okay. La diffusion, parce que base, c'est Vandi. Je ne voulais pas mélanger les essuies et les torchons. Okay. Dans la base, moko y a bateau, former, ne pas avoir 1000 personnes pour ne pas être capable de former, Non. Vous voyez, c'est criminel. De rester dans le métier mon boue pour y bayamoté. Mais tu es en train de capoter ton avenir. Pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps. Et c'est qu'on ne peut pas récupérer dans cette vie ici sur Terre, c'est le temps. Okay. Donc moi je pense que le temps est précieux. Alors maintenant là que j'ai une base, j'ai de personnes au Bako qui susceptibles de former les autres aussi. Il y a Romeo Bacho, il y a Natacha Bola, il y a Megan Dembo. Il y a Nora, il y a tous ces éléments, il y a tous ces éléments-là, voulais-je dire, au bazar capable de transplanter sa voix et pas à Baninga, que je sois là ou pas, eh bien le groupe Amani ouvre maintenant ses portes. Okay. Ouvre ses portes pour nous recruter. Au nion surtout hasard, n'a moi pas brindard d'art, n'a qu'à t'inaïe. Au nion sa miyoka artiste et kazozanga bipaïwapi. Baya, na groupe Amani, le numéro de contact c'est le 081 777 2624. Je reprends le 081 777 2624. Le 081 777 2624. Vous allez parler avec le secrétaire général qui va vous orienter où est-ce que nous travaillons, nous répétons et tout ça. En toute quiétude, en toute responsabilité, vous allez apprendre le bon, les bons, les très bons théâtres. Le théâtre que moi j'ai appris auprès de mon maître Lomé Faustin Soukari, le théâtre que je pratique et que je suis apprécié par vous d'ailleurs. Alors vous allez apprendre ça aussi. Et par la suite,
le 2019, nous allons maintenant diffuser nos pièces. Diffuser nos pièces, je ne sais pas moi, je crois bien que si pas rentrer à la maison, dès lors si, et seulement si la porte elle reste encore grandement ouverte, nous allons diffuser nos pièces. Là, vous allez vous adresser directement à Madame Kiki. Hein? Madame Kiki. Parce que c'est elle la pour l'émission, conception là, émission. En tout cas, merci. D'ailleurs, c'est un privilège d'être ici sur ces plateaux. Dacoste et son groupe Amani produisent du très bon. Ça, c'est un travail bon. Alors, ceux qui ont biloko, engagés à biloko, tout lire à Mikolonio, son andarou sans réclamation, dit bon pas si t'es ni t'es posé. Le bon théâtre éducatif, didactique, c'est le bon théâtre. Si ce n'est pas le groupe Amani, c'est qu'il faut voir le groupe Simba ou le groupe Sans Souci. À part moi, le groupe Simba et le groupe Sans Souci, il y en a pas. Je donne ma langue au chat. Donc, ça n'engage que moi. Donc, le bon théâtre, c'est le groupe Amani. Eh bien, nous venons de par cette occasion vous demander, n'est-ce pas, cet espace de diffusion pour que moi, je sais que je vais apporter une pierre. Hein, je vais apporter le public, je vais apporter l'audimat, je sais, avec le travail. Et je demande simplement cet espace. Pourquoi pas un partenariat? Vous voyez, nous nous occupons déjà de la production. Nous nous occupons de tout le reste. Ce que nous voulons simplement, c'est d'avoir un espace d'expression où nous allons nous exprimer à notre manière et savoir-faire. Donc, Madame Kiki, sans vouloir abuser de votre temps, à manier. Le président Dacosta et son groupe Amani vous frappe à la porte si vous allez bien nous ouvrir et Zelabusso et c'est mon mini. Merci beaucoup Dacosta. C'est vrai que pour le 1001 visages et 1001 visages. Je vous dis merci parce que là vous résistez à l'usure du temps. Vous êtes là et le concept est bien fignolé. Ça donne du plaisir à suivre. Merci beaucoup à toi. Autrement dit le mannequin. Moi, j'aime bien vous appeler Blaise Kinsala, Zala Boye, Oumela, Pesabiswango encore et encore, beaucoup plus de concepts, d'ajout, et ça l'a bien ming. Voilà. Merci beaucoup à Brandy Aouete, merci d'être là, de part et d'autre, merci à Fiston Panzou, Marie-Laure Moulumba, merci à toi, Marie-Laure M. Matin, Mokitani Amirte et Kuba, merci beaucoup, et Philemon Zao. Un grand merci à toi également, à toutes ces personnes qui ont apprécié. Vous avez aimé, n'hésitez pas, contactez-nous via Facebook, WhatsApp, nos numéros sont là. Contactez-nous, peut-être suggérez-nous aussi des invités, parce que bazar à moi, compliqué. Je sais pas. Merci beaucoup, Fiston Panzou. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Numérique à Télévision. Bye bye. Bye bye.